Alors, the points PQR are such that QR is equal to 4PQ, given that the position vectors of P and Q relative to an origin O are synthetic nilpotents respectively, find the unit vector parallèle to OR et point, nombre de points, 5 points. C'est-à-dire, c'est beaucoup de travail, pas de beaucoup, trop beaucoup. Il n'y a pas de question partie-partie. C'est une seule question, 5 points, c'est le coup. Alors, qui va l'information nous connaît? Nous connaît QR is equal to 4PQ. Mais il y a ce texte. QR is equal to 4PQ, ça c'est le premier affaire. QR égale à 4PQ. Deuxième information qui nous donnait, c'est que position vectors of P and Q. Qu'est-ce que ça, position vectors? Position vector of P veut dire from O to P. Ça veut dire OP. Alors, OP ou 6, 7. Après. Et OR, non pardon, OQ, Lily 9. C'est un qu'appelle position vectors. Hein? Il va prendre le code 0, origin, pour aller jusqu'à code ça, alphabet là, il y a une position vector. Alors, elle a lit 6, 7, elle a lit 9. Oui, alors, mon gars OP, mon gars OR. Find the unit vector. Ça, c'est le premier qui chose. Parallèle. Deuxième affaire, ça y a la même direction. Après, il y a une cause OR. Mais mon pays n'a pas OR dans mon question, mais n'a OP et OQ. Là, moi, c'est évisable l'autre information qui me donnait à cette équation là. Qui l'indique là-dedans, il dit QR is equal to 4 times PQ. Mais PQ, nous ne sommes pas abrodés parce qu'il me désigne à OP et me désigne à OQ. Alors, PQ is going to be what? PQ as a vector, displacement vector comme calculé. PQ pour mean OQ minus OP. Et deuxième, retire premier. OQ. Minus OP. Allez, OQ minus OP, nous get un code, ça veut dire nous faire 9, 20, retirer 6, 7. 9 retirer 6 fait 3. 20 retirer 7 fait 13. Alors, PQ is equal to 3, 13. Qu'est-ce que nous faire PQ? Remplacer dans l'équation. QR is equal to 4 times PQ, ça veut dire là, mot de sens couler là. Alors, QR is equal to 4 times PQ. Ça veut dire, les bobines, 4 fois 3, 13. Allez, nous multiplier, nous simplifier, ça veut dire là, ça bobine 12 là-haut, et en bas, les bobines, 52. Alors, qu'est-ce que ça, un nouveau vecteur qui me fait gagner? Qu'est-ce que ça? Il appelle QR. QR, c'est quoi? C'est from Q to R. Si vous avez pour faire ce calcul, pareil comme PQ, moi tu fais ce calcul. Alors, QR, quel est ça? C'est OR minus OQ. OR minus OQ. Deuxième, retirer premier. Et quand vous faites ça, vous supposez que vous gagnez 12 et 52. Alors, qui me fait à ce en cours, qui va nous faire mon cas là-dedans? Mais OQ là, déjà, il y en a. Déjà, comme ce position vector, it is 920. Alors, mon cas remplace ici. Et quand vous finirez en place ici, vous trouvez qu'il est capable d'envoyer de l'autre côté, minus car là-bas, il plus. Et là, vous restez juste avec OR. Alors, OR is going to be 12,52 plus OQ, ça est 9,20, ça est 12 plus 9 pour faire nous 21. Après, moi, il y a 52 plus 20 pour faire nous 72. Alors, the vector OR is 21,72. Bon, pas encore gagné mon réponse, mais c'est moi, mon fini, au moins, arrive jusqu'à mon vecteur OR. Qui fait? Parce que dans mon question, il se dit, alors, prenez des unit vecteurs parallèles to OR. Il va dans la même direction qu'OR. Bon, puisqu'il peut dire, prenez des unit vecteurs, ça, c'est pas un unit vecteur, veut dire, ce length in one unit. Alors, on a fait distance, soit ce length of the vector. Alors, fait vecteur OR, ce modulus, qu'on appelle ce magnitude. Et magnitude est tout simplement, pareil comme la distance formula, soit pareil comme Pythagoras théorème, nous prenons premier ce square, ajouté avec deuxièmement ce square and the square root of O. This would be the magnitude, hein, selon Gear. Alors, 21 ce square plus 72 ce square. Le magnitude O, 21 square plus 72 square. And the square root of this answer being 75. Alors, supposé qu'il y a 75 units. C'est son magnitude, ça. Alors, what is the vector? Pas this vector, mais what is the unit vector?
parallèle to OR, alors mon vini 1 over the magnitude OR, c'est M75, N75, multiplié par mon vecteur OR, which is 21N72. Alors, N sur 75 multiplié avec 21N72, on est capable de prendre 75, vous voyez à l'intérieur, ou on est capable de sigma liété aussi. Il n'y a pas une big issue ça. Correct, alors, this is going to be your answer for the first part. Une question encore une fois là au vecteur Z. Et encore une fois, on peut trouver find the unit vector parallèle to AB, 3 points. Sauf qu'ici, il est allé in terms of I and J. Mais les mêmes affaires, ça c'est juste un vecteur for vecteur notation plutôt comment est-ce qu'il représente vecteur. On va mettre as I and J, ça on va mettre as colon vector. Dans lesquels ou plus à l'aise. Alors ici, par exemple, il est capable d'une 6 moins 3 as a colon vector, 6 là-haut moins 3 en bas. Et pour le tala, il pouvait 15 et 9. Et aussi, il y a relative to the origin, ça veut dire la première là, c'est OE, 6 moins 3. Et deuxième là, l'IOB, 15, 9. Alors, find the unit vector parallèle to AB. Ben, nous avons OE, après nous avons OB. Nous avons AB là. Alors, premier travail, c'est un calcul AB. What is AB? Displacement vector. Il pouvait une deuxième retirer premier, ça veut dire OB minus OE. OB, quand nous pouvons dans nos questions, c'est 15, 9. OE, 6 moins 3, veut dire pour faire 15 retirer 6. 15 moins 6, fait 9. Et de l'autre côté, on a 9 retiré moins 3, avec une plus, 9 plus 3 fait 12. Alors, this is the vector AB. Il n'est pas nécessairement find the vector AB, find a unit vector, find the unit vector plutôt, which is parallèle to AB. Il est capable, même direction qu'AB, c'est seulement pour redonner un unit vector. Alors, ce qui nous fait, nous parlons de magnitude of the vector AB, selon longueur. Nous avons envie de faire une unit. Alors, nous redonnons longueur. Alors, it's going to be the square root of, premier nom, ce square, tous les temps, on dit pour plus. Il y a un Pythagoras théorème, mais seulement tous les temps, on dit plus, ça donne. Alors, 9 square plus 12 to the square. Et the square root of this answer, de nous, 15. Alors, this is 15 units. The vector, selon longueur, les 15 units. Et comme on veut faire les 1 unit, on va diviser par 15. À cause de ça, qui nous prend vecteur la même. Alors, the answer, the unit vector parallèle to AB. Answer, pour première partie là. Il peut venir n sur 15. N sur 15. Multiplié avec le vecteur AB. Alors, n sur 15 fois AB. Bon, you can simplify, or you can leave it as it is. Donc, nous allons simplifier, vous dire, tiers 3 en haut, après, il divise par 3, 3 là, il y a une n au 5. Nous allons faire ça, il est capable aussi de une n au 5. Après, là, on en pour 3, 4. Soit capable d'envoyer ce chiffre-là en ligne d'infraction, puis l'impro. Ça, c'est for the first part. Nous continuons avec l'autre partie. The point C lies on AB such that AC is equal to 2 times CB. Find the position vector of C. Position vector of C, c'est-à-dire find OC. Correct? Position means with respect to the origin, c'est-à-dire put O plus K de C. Allez, nous mettons l'équation. AC is equal to 2 times CB. Alors, AC. Comment est-ce qu'il me gagne ici? Ici, il dit tout simplement OC minus OE. Même ce qu'il nous fait à l'appareil point du jour de AB. Alors, ici, nous sommes capables de dire OC minus OE. Pour égal à ici. L'autre affaire qu'il nous dit, il dit que les besoins sont égal à 2 fois CB. Nous avons un coup de CB là que ça veut dire. CB dit aussi, si nous faisons d'après nous displacement vector, pour une deuxième retire premier. Alors, OB minus OC. Correct? Allez, nous créons dans mon équation. Ça veut dire, vous pouvez là, OC minus OE. Donc, là, je vais écrire ici.
on écrit là aussi minus OE égale à equals to deux fois, mettez-le dans bracket, alors 2 multiplié avec CB multiplié OB minus OC. Bon, si vous avez un arrow là, moi je mettais cela un peu convenience, mais je quand travaille bien mettez. Alors, nous pérodons aussi, 5 nous pérodons, il y a deux places, alors mettez tout ensemble, nous simplifions les. Alors, aussi, mon pécalisme, c'est là, dans face aussi. Alors, C, le vecteur C, minus le vecteur A, égale à 2B, moins 2C. Pas oublier ça, de là, peut multiplier tous les deux vecteurs. Nous mettons tout le monde ensemble, ça veut dire que gain C, minus comme une positive, une plus, ça veut dire que gain 3C, égale à 2B, minus A comme une positive, une plus C, alors 2B plus A. Alors là, on est qu'à faire le calcul, B là, on déjà connaît, OB sur le vecteur, c'est 15, 9, quand on fait fois 2, les vignes 30, 18, ajouté avec des vecteurs A. Vecteur A, ce coordonnée, enfin, sur van valeur, c'est 6 et moins 3. Ajoute tout ensemble pour faire nous 36 et 15. Mais fais attention, ce n'est pas ma réponse, guide bien question. 36 et 15. Alors, guide bien mon working swim. Quand on arrive là, on gagne 3C. On ne gagne aussi là, moi. On gagne 3 fois aussi. Alors, if I need to find C, which is aussi, on dit c'est là, tout le monde vient faire, on vient diviser de l'autre côté par 3. Ne pas diviser as such, nous disons multiplier par n sur 3. Alors, n sur 3 fois 36, 15. Ici, nous pouvons trouver qu'il y a une fraction, nous sommes capables de mettre à l'intérieur et vous divisez tous les deux. Alors, si nous sommes capables de simplifier, nous simplifier, c'est-à-dire avoir à l'intérieur, les pouvons 12 et les pouvons 5. Alors, si nous find the position vector of C, same to mot réponse. Alors, in this question, il y a nous comme ça que the position vectors of A and B relative to origin n-7 et 4k. Alors, nous capables de finir créer toujours, c'est-à-dire OE. Les pour, bon, on peut créer OE à chaque fois, on peut créer type C alphabet A. Alors, le vecteur A is n-7 and the vector B is 4k. Oh. Alors, qui peut dire aussi, il peut dire ouais, k is a scalar, veut dire k c'est un chiffre. The unit vector in the direction of AB is 0.6 et 0.8. Find the value of k. Alors, unit vector in the direction of AB. Comment est-ce qu'il me fait unit vector? Une fin de ma réponse, comment est-ce qu'il me suppose faire un unit vector in the direction of AB? Alors, premièrement, tu peux calculer le vecteur AB, c'est quoi? Le vecteur AB, quand nous calculons, veut dire nous pouvons faire B retiré A. Alors, quand nous faisons B moins A, veut dire qu'il y a 4 retiré N qui est 3. Et nous avons K retiré moins 7 pour une K plus 7. Malheureusement, l'alphabet K, nous ne connaissons pas qui valait y était pour le moment. Alors, ça, c'est le vecteur AB. Now, what is the unit vector of AB? Et tu peux avoir 1 over the magnitude of AB. Allez, nous faisons magnitude là. Magnitude AB is the square root of. Premier là, ce square, ça va être 3 ce square pour 9, et deuxième là, ce square, k plus 7 de square. Est-ce qu'il m'a besoin d'expandre, etc., etc.? Non, pas nécessaire, parce qu'on peut expandre, vous vous dites, fait un peu plus long, mais moi, il n'y a aucune réponse. Pas pour connaître qui va aller à k pour le moment. Alors, pas nécessaire d'expandre, vous connaissez qu'il a disposé, mais dans sa façon là. Alors, the unit vector of AB, in the direction of AB plutôt, unit vector là, type ou bizarre, si vous avez dit, si vous avez déjà un avalé à K, etc. Alors, qui est-ce que vous venez ça? Vous venez 1 over ça, square root là. 9 plus K plus 7 to the square. Après, tu peux multiplier avec des vecteurs A. 3 et K plus 7. Alors ça, c'est unit vecteur. Comment on fait mon calcul, je gagne ça. Mais la question là, il dit à moi, comment on fait unit vecteur, qui est de moi, il dit à moi, je vais dire, the answer is 0.6
après 0.8. Alors, ce qu'on va faire, on va compare both of these. On va make sure que mon upper limit, upper value plutôt, est pareil que la basse valeur. The high component, pour tous les deux, bien pareil, parce qu'il est égal. Ça veut dire 3 divisé par sa square root là, 3 divisé par square root of 9 plus et k plus 7 to the square, ça, si posé de moi, 0.6. Pas oublié, equal to veut dire both vectors are equal, veut dire pareil pour pareil. Ça veut dire the left hand side should be the right hand side. 0.6 as a fraction, quand même, il dit une fraction pour un peu plus vite travail, ici sur 10. Cross multiply, I need to find the value of k. Cross multiply, quand nous cross multiply, nous arrivons à sa boucle là. Ça veut dire 9, square root of 9 plus k plus 7 to the square. Pour égal à, c'est ça mon métier là-bas, divise 3 fois 10, 30, divise par 6, et 30 sur 6, qui est égal à 5. Alors, qui a réversé? Si mon tiers square root depuis ici, on va aller là-bas, divise square. Alors, on gagne 9 plus k plus 7 square. Alors, square root al de l'autre côté, pour une 5 ce square, qui est égal à 25. Next line, vous tiens 9 de ici, nous on va aller de l'autre côté. Alors, vous venez 25, tiens 9, ça pour une nous 16. Je ne sais pas où il est. Alors, ici, vous pouvez tout simplement k plus 7 square. Et l'autre côté, moi, il y a 16. Alors, qui me comprend? Qui? K plus 7, alors si vous c'est un square maintenant ici, il y a une square root of 16. And the square root of 16, ce valeur, c'est plus ou moins 4. K plus 7 pour une plus ou moins 4. Alors, disons si nous prenons les 4 avant, un coup nous prenons les 4, et un coup nous prenons les moins 4. Il était donc question, il n'est pas de dire moi, est-ce qu'il nous apprend positif ou négatif, il n'est pas de dire moi, c'est pas K, is positif, il n'est pas de dire non, il nous apprend tous les deux, après l'internet nous capable d'éliminer s'il le faut. Alors, in this case, K pour une moins 3. On veut 7 de l'autre côté, et l'autre côté, nous pouvons gagner k pour vin moins 11. Now, in the question, we need to find the value of k. Nous avons une seule réponse. Nous avons un là-dedans pour reject. Comment vous connaissez les temps, lesquels qui pour reject dans sa vie-là? Nous n'avons pas un chiffre-là. Pas oublié. Comment est-ce qu'il nous a gagné un valier k là? Me sens que là. Comment est-ce qu'il nous a gagné un valier k? C'est quand nous prend des high component. Nous prenons ça. Là, nous gagnons pas les cas. Mais c'est pour nous vérifier desquels qui nous visent. Nous prenons déjà là. Nous prenons ça. Ça veut dire, si je fais, je remplace, disons, je remplace pour moins 3. Je remplace K pour moins 3. Je vais mettre moins 3 dans bracket, etc. Ça pour une 5. Ça veut dire, là, c'était moins 3 rentre que K plus 7 ici. K plus 7. Ça, comment vous connaissez les bouvines 5 parce qu'il me disait un alida. Square root of K plus 7 to the square est égal à 5. Ça veut dire qui me met moins 3, qui me met moins 11, vous gagnez 5 même moi. Ça veut dire 5 même lit. Et l'autre côté, me supposait gagner 0.8. Alors, nous vérifions ce terme. Lesquels qui me bien prend? Si nous prenons moins 3, nous met là-haut, que de K, nous gagnons 7 retiré 3 qui fait nous 4. 4 sur 5. Est-ce que 4 sur 5 est égal à 0.8? Oui. Ça veut dire, on connaît qui, mon valet, calibisa moins 3. Mais sinon, on veut vérifier, dans le champ de là, c'est pareil, nous prenons moins 11, mettre en question ici. Alors, 7 moins 11 pour une moins 4. Moins 4 sur 5, pas pour gagner 0.8, pour gagner minus 0.8. Ça veut dire là, ça, ici, là, pour reject. Nous trouvons tous les deux minus. Il n'y a pas que moi dire, on accepte plus mon reject. Non, tous les deux minus, mais dans ça, on minus ça. N pour accepter, N pour reject. Alors, nous avons une question qui est un petit peu différente que nous avons des valeurs là-dedans, mais c'est moins toujours nous servir un principe qui nous connaît pour vecteurs pour nous gagner nos réponses. Alors, the position vectors of A and B veut dire OA and OB. Mine de moi, les as I and J, mais nous avons été as column vector. Alors, OA pour vin, moins 3 et moins N. Et OB pour vin, N et 2. OA,
hobby. N2. Respectively, the point C lies on AB such that AC is equal to 3/5 of AB. Alors, AC égale à 3 sur 5 fois AB. Mais AB là, nous ne pas connaît. Parce que nous avons OE, après nous avons OB, mais AB n'est pas déjà nous. Alors, nous pouvons calculer, première question, calculer des vecteurs AB. Alors, AB qui était ça, it is going to be OB minus OE. Ça veut dire que nous avons N moins moins 3. Donc, N plus 3 qui est égal à 4. Après, nous avons D moins moins N, et D plus N fait 3. Alors, ce qui me comprend ici, c'est qui est ici pour égal à 3 sur 5 fois sa vecteur-là. 4, 3. Et ça, qu'était ça? C'est ici. Our question now, let's continue. La question, c'est find the position vector of C. Ça veut dire nous avons envie de gagner aussi. Allez, pas oublier, c'était ici. Ça aussi, nous connaît, c'est deuxième retire premier, veut dire aussi minus OE. Alors, si mon big est aussi tout seul, on peut prendre E pour envahir de l'autre côté. Minus, car par le côté, vin plus. Ça veut dire des bobines. 3 sur 5 fois 4. Bon, nous finissons simplifier. On va vous dire en dedans parce qu'il nous a fait calculer pire. 3 sur 5 fois 4 pour vin 12 sur 5. Et 3 lot 5 fois 3 pour vin 9 sur 5. Qui peut faire avec ça? Mon 10 multiplié là. Mon 10 prend ça, mon multiply. Alors là, qui nous fait avec lui? Nous pouvons minus OE avec ça. OE, li, moins 3 et moins n. Alors, minus, moins 3, moins n. On nous fait un calcul là-dedans. Li pour vin. Ça nous est un peu vite, vite. Alors, 12 sur 5 plus 3. 12 sur 5 plus 3 pour faire nous 27 plus 5. Et 9 plus 5 plus n pour faire nous 9 plus 5 fait 14 sur 5. Alors, mon gars, sa réponse là faut aussi. Quand on dit find the position vector, mais simple, ça me première partie de la réponse. Aussi. Show that it is a unit vector. Allez, guettez, il n'est pas dire rôder un unit vector, il est dire montrer qui c'est qui me fait gagner là. L'IM est un unit vector. What is a unit vector? A unit vector, c'est un vector que so magnitude de 1. Alors, ce qui nous va faire, nous va calculer the magnitude of aussi. Je veux dire, nous fait 27 sur 5 to the square, ajouté avec 14 sur 5 to the square. Et un problème là-dedans de 26 minutes.